Et nous aimerons savoir combien vous donnerez sur 10 à votre ex au lit. Vraiment, Dieu. 5. 5, pourquoi? Parce que il était si nul. Salut les amis. Alors vraiment, je sais que Rago Jeune a mis un peu de temps pour vous produire une nouvelle vidéo. Mais avec la pandémie de coronavirus, nous avons rencontré vraiment de difficultés à mettre sur pied des vidéos. Et aujourd'hui, voilà, je suis content de vous dire que voilà, nous pouvons relancer les activités. Aujourd'hui, pendant une séance de shooting avec AVS Studio, nous sommes à la cité Chirac, où nous avons posé la question aux jeunes Camerounais pour savoir combien sur 10 ils donneraient à leur ex au lit. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si ça vous plaît, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous. Je vous remercie. Moi, c'est Francky. Ouais, moi, Vladimir. Enchanté, Vladimir. Ok, enchanté. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube qui fait des milliers de vues déjà. Ouais. Et nous aimerons savoir combien est-ce que vous donnerez sur 10 à votre ex au lit. Bon, je peux dire 7. Mais pourquoi? 7 sur 10. Ouais, 7. D'accord, 7 sur 10, c'est quand même une très belle note. Donc. Ouais, une très belle note. Bon, elle est plutôt compétente, quoi. Oui. Ouais, elle a des bonnes qualités, oui. Tout ça. Et si elle décidait de revenir maintenant, vous la reprendrez? Ouais, bah, je vais la reprendre avec plaisir. Je te remercie, Vladimir. Ah ouais, de rien. Et nous aimerons savoir combien sur 10 vous donnerez à votre ex au lit. Mon ex, pas. Mon ex. Quel ex d'abord? Il y a beaucoup. Bon, là, le soir, ils veulent s'amuser. Laissez-les s'amuser. Et la précédente, celle qui vient de partir là. Celle qui vient de partir. Ouais. Maman, il y a seulement tué ça une fois. Tu es un plaisantin. Je vais faire comment? Tu donnes combien? Mais une fois là, ça te donne quand même le temps de. Mais sinon, oui, attends. Angala, elle était quand même sauvage. Elle était quand même sauvage. Elle était quand même sauvage. Donc, je lui donne même. Même 7 sur 10. Non, 7 de quoi? Elle a travaillé quoi pour avoir 7? Non, 5. 5 c'est bon là-bas. Mais 5 c'est déjà la moyenne, ça veut dire qu'elle était quand même compétente. Je lui donne 5 là, parce qu'on a seulement tué une fois. Ah. Donc, c'est seulement ça. Ok. Je te remercie. Ok. Et nous aimerons savoir combien vous donnerez sur 10 à votre ex au lit. Sur 10, une note sur 10. Une note sur 10. Oui. On peut dire 5. 5 sur 10. Oui. Parce qu'elle était compétente. Elle était compétente, oui. Oui, ça allait bien. Ça allait bien, oui. D'accord. C'est un sujet quand même important. D'accord. Ouais, ouais. Je te remercie, mon frère. Ok, merci. Alors, nous aimerons savoir combien est-ce que tu donnerais sur 10 à ton ex au lit. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas trop répondre à cette question parce que la majorité des personnes avec qui j'ai eu à passer à l'acte, c'est beaucoup plus moi qui a travaillé. Foutaise n'est pas foutaise. Donc, s'il faut noter vraiment sur 10, moi je peux donner moins de 3. 3 sur 10. Ouais. À ton ex. Ah oui. D'accord. Je l'ai dit, je la filme. D'accord. Je te remercie, mon frère. Astrid. Enchanté, Astrid. Au plaisir partagé. Alors, si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube qui fait déjà des milliers de vues. Et nous aimerons savoir combien vous donnerez sur 10 à votre ex au lit. Vraiment, Dieu. 5. 5, pourquoi? Parce que il était si nul. Continue. Si nul au point où. Oh, vraiment, je sais pas. Même les mots, même pour qualifier son degré de nul. Son, oui, il n'y a même pas le mot là. Pourquoi? Parce que. Tu t'imagines un homme qui monte sur toi. À peine il monte sur toi, il joue. Oh non, mais c'est pas possible. Femme! Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Les préliminaires, même, il ne connaît pas. Les choses, même, qu'il faut faire, il ne connaît pas. C'est pas possible. Mais imagine-toi. Tu as une note combien? Zéro. Même zéro, j'ai même trop noté. Donc, 5, c'est justement ce que vous l'avez dit. 5, c'est une très bonne note. Donc... J'ai même bien noté. Donc... Et en plus de tout ça, j'ai très bien noté. Ouais, ouais. Bon, il va y avoir 100 euros parce que j'ai noté quand même 5. Je devais dire zéro. D'accord, je te remercie. Merci aussi à vous. Alors, nous aimerons savoir combien est-ce que tu donnerais à ton ex sur 10 solis. Nyongo Toro. Aïe. Mon frère, tu as pris la question là-haut. Aïe. Mon ex, combien au lit? Bon, tu sais, comme la relation est finie, non? Si je donne aussi une moyenne trop basse, ça va me saccager par derrière. Bon, si je donne aussi.
une moyenne trop élevée, on va croire qu'il aime, il aime encore. Mm-hmm. Je lui donne 5,75. Tu es un plaisanteur. 5,75. 5,75. Mais 5,75, c'est aussi une bonne moyenne. Tu es quand même dans la moyenne, donc ça veut dire qu'elle était compétente. Non, elle suçait bien. Mm-hmm. C'est bien, suçait quand même bien. D'accord, je te remercie. Ok, c'est bien. Salut mon frère. Ouais, bonjour. Moi c'est Francky. Moi c'est Castéran. Enchanté Castéran. Tranquille mon frère. Alors si nous vous accostons, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube qui fait des milliers de vues déjà. Alors nous aimerons savoir combien Attends, je vais passer sur YouTube. Effectivement. Alors justement, nous aimerons savoir combien sur 10 est-ce que vous donnerez à votre ex. À mon ex. Ben, Oli bien sûr. Ah, elle était nulle, elle est chaude. Nul, ah, je te jure, nul, c'est zéro, c'est nul, en vrai, je te jure. Une autre, la première fois, je cadre les pieds, je frappe un peu, elle saute. Mais pourquoi? Elle devient gros pénis. La deuxième fois, car elle était trop nulle. La deuxième fois, un bois sec, mon frère. Tu lèches les seins, même elle ne connaît pas, la pipe, elle ne connaît pas. Et tu veux faire des chats, elle ne connaît pas. Car c'est off, man. Très compliqué. Attends, et s'il fallait estimer une note sur 10, tu donnerais? Non, on prend à partir de moins 0, non? On descend en bas. Là. Non, à partir de 0 quand même. Non, mais en vrai, moi, parce que c'était nul, moi. Il n'y a pas 0 sur elle. Il n'y a pas 0? Non, il y a moins. Moins? Ouais. Je te remercie, mon frère. Moins 5. Moins 5. Donc, elle me doit 5 points. Ouais. Je te remercie. Ah, attends, tu disais que je passe sur YouTube. Oui. Ah, et je profite pour faire le coucou à ma maman, Madame Gouroumiem Jacqueline. Oui. A fait le coucou à mon fils. Oh, le Mervilos. Ça passe vraiment sur. Oui. Non, ça c'est le gag. Tu blagues, non? Je t'ai dit la vérité. Ah, je vais passer sur YouTube. Quoi. Oui. On va me roaster. Oui, effectivement. Ouais. Et nous faisons des milliers de vues en passant. On a on fait carrément des milliers de vues sur YouTube. C'est quoi mon chichi? C'est très beau ton chichi. Combien est-ce que tu donneras à ton ex Oli? Combien est-ce que je donnerai à mon ex au lit? Toi, tu 10 au lit à ton ex. Combien tu lui donnes? 3. Elle fait rien. 3 comment? 3 comme vous dites qu'elle n'était pas compétente ou bien. Oui, elle n'était pas compétente. 3. 3 sur 10. 3 sur 10. Ouais. D'accord. Je te remercie. Mon frère. De rien. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. Vous pouvez aussi appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos et mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.